En fait, j'avais un manque énorme qui était le Eretz Israël. Et je pense que la musique était un peu un refuge à chercher tous ces liens avec Israël ou avec une certaine spiritualité que depuis, j'ai pas lâché. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Déborah Valman, ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes franco-israélienne, franco-brésilo-israélienne, vous avez les trois nationalités. Oui, tout à fait. Je suis née au Brésil, j'ai grandi en Israël. Après, j'ai vécu un peu en Argentine et puis maintenant, je suis française. Alors, vous dirigez de nombreux orchestres en France, notamment celui d'Avignon-Provence. Vous avez été nommé talent chef d'orchestre en 2008 et vous avez gagné de nombreux prix. Qu'est-ce que vous préférez faire? Alors, justement, c'est vrai que depuis 12 ans que je dirige des orchestres en tant que chef invité. Ça veut dire qu'on vient sur la ville, on passe une semaine avec l'orchestre, on fait le concert deux ou trois, et puis après, on passe à la suivante. Et là, c'est la première fois, donc, en France et aussi dans mon histoire personnelle, où j'ai vraiment une poste de chef permanent, ce qu'on dit. Donc, ça veut dire que j'ai un contrat sur 3 ans. Et qu'est-ce que je préfère, c'est de faire vraiment évoluer dans le temps cet ensemble. Donc là, je suis très heureuse d'avoir cette opportunité, enfin. On voudrait savoir, vous avez été formée en Israël, vous saviez lorsque vous étiez petite que vous alliez diriger des orchestres, c'était votre rêve? Non, je voulais être avocate au départ. Et puis en fait, ma mère, elle est chef d'orchestre aussi. Donc je la suivais un peu partout, dans toutes les répétitions. Et c'est vraiment quand on a déménagé en Argentine que la musique s'est imposée à moi comme vocation indispensable. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais un manque énorme qui était le Eretz Israël. Et je pense que la musique était un peu un refuge à chercher tous ces liens avec Israël ou avec une certaine spiritualité que depuis, j'ai pas lâché. C'est-à-dire que vous aimiez jouer des morceaux, des pièces qui vous rappelaient le pays, c'est ça? Ou plutôt jouer des... C'est juste que les relations avec la musique, en tout cas chez moi, elle est très spirituelle. J'en fais en fait des textes que je revisite. Et donc, ça m'a fait me renouer à chaque fois avec mon Eretz Israël de mon enfance. Alors, comment vous êtes perçue en France? Est-ce que les gens savent que vous êtes israélienne ou est-ce que pas forcément, ou ça n'a pas d'incidence dans votre façon d'être considérée? Alors oui, il y a d'ailleurs dans l'article de Figaro Madame, il a écrit donc brésilo-israélienne. Je suis contente qu'il dise les trois nationalités. Et plutôt, ça dépend des gens qui regardent et qu'est-ce qu'ils veulent dire, n'est-ce pas? Mais oui, c'est bien signalé. Dans tous les derniers articles que j'ai eus, ils ont bien dit brésilo-israélienne. Ok, alors on sait que vous êtes très très active. On se demande comment vous faites aujourd'hui. Alors là, vous êtes posée apparemment dans le sud de la France, c'est ça? Oui, je fais la navette entre Paris et Avignon pour pouvoir honorer mon poste et puis aussi jongler avec ma vie de famille et ma vie de chef invité. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre la façon dont on dirige un orchestre en Israël ou la façon dont on apprend la musique en Israël et la façon dont ça fonctionne en France? Oui, la France, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un solide système d'éducation, donc qui commence vraiment dans tous les quartiers à plus jeune âge. D'ailleurs, mes enfants en profitent. J'insiste sur le mot solide parce que comme ils vont beaucoup sur les solfèges, sur la partie théorique, c'est extrêmement fort ce qu'ils apprennent et ils ont une base très, 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 très forte. Et donc, par rapport à là où j'ai grandi, donc en Israël, moi, j'ai fait juste les cours de piano avec une prof particulière au kibboutz, là où j'ai grandi. Et après, en Argentine, il y avait un seul conservatoire pour tout Buenos Aires. Tout était très concentré, alors qu'ici, c'est vraiment irrigué. Tout le territoire est irrigué par des orchestres, par des conservatoires, par des lieux de culture. Et ça, pour moi, c'était très inspirant quand je suis venue en France. Et donc, pour les futurs musiciens, c'est aussi une grande chance d'avoir ça.
Alors, est-ce qu'avec le Covid-19, est-ce qu'avec les restrictions, tout ce qui nous empêche, voilà, d'avoir une vie normale, vous avez été, vous aussi, on va dire, contrainte dans votre travail, bien de vous limiter ou de travailler autrement, tout simplement? Totalement. Déjà, à l'orchestre, on a une distanciation. C'est-à-dire que d'habitude, les musiciens des cordes, ils sont assis par deux. Et là, ils sont chacun leur pupitre à 1 mètre de distance, 1,50 m. Ça veut dire que c'est plus difficile de jouer ensemble. Et puis, chacun est plus responsable. Il ne peut pas se reposer sur son voisin. Ça, c'est plutôt positif aussi. Mais vraiment, concrètement, avec les concerts, on a obligé le public masqué à demi-jauge. Et puis là, je peux vous parler ce matin parce qu'on a un enregistrement qui a été annulé. Parce que la semaine dernière, il y a eu avec un chef invité un cas Covid dans l'orchestre. Donc, tout le monde est en quarantaine jusqu'à la semaine prochaine. Et ça, c'était une mauvaise nouvelle de la semaine dernière. Ouais, j'imagine. Faut faire avec. J'imagine, exactement. Il faut faire avec. Pas toujours facile. Alors, vous êtes chef d'orchestre. Vous représentez 4% des femmes à diriger des orchestres, hein, dans le monde. Alors, c'est pas, ça veut dire que ça correspond environ à 48 orchestres, voilà, dans le monde à être dirigés par des femmes sur 778. Ça paraît fou. Est-ce que vous êtes consciente de votre singularité? Je l'ai découverte une fois que j'étais nommée, parce que donc je vous ai dit depuis 10 ans que je me présente à droite à gauche et je voyais pas pourquoi ça marchait pas. Et une fois que j'étais nommée, j'étais très contente. Et c'est les journalistes qui m'ont dit finalement que j'étais la première femme en France à occuper un poste de chef permanent. Donc l'histoire de la France, c'est quand même incroyable. Et au miracle, 2 mois après, on a nommé une autre femme à une autre orchestre, donc je pense que c'est vraiment un déclencheur. Là, je pense que j'ai beaucoup de chance déjà parce que je l'ai vécu, je l'ai vu de mon vivant, parce qu'il y a d'autres générations qui ne l'ont pas vu, et aussi parce que pour l'avenir, ça va vraiment ouvrir les portes, et déjà la preuve. Alors, vous avez quelque chose de particulier, c'est que vous aimez dénicher, on va dire, eh bien, les morceaux un peu oubliés, les choses un peu enterrées ou qui sont passées sous les radars, on va dire ça comme ça. Et puis, vous avez découvert il y a peu de temps un morceau de musique classique, bien sûr, une symphonie d'une compositrice française un peu oubliée. Et vous avez décidé, eh bien, de la revisiter, de la mettre, on va dire, à votre répertoire. Pourquoi? Alors, cette pièce, elle est tombée dans mes mains par hasard parce que j'ai dirigé dans le cadre d'un festival Présence Féminine qui se déroule à Toulon tous les ans depuis 10 ans, où justement, comme son nom, il ne fait que des compositrices. En 2013, ils m'ont confié un programme tout à fait féminin, donc avec Alice Ethel, avec Charlotte Soy, avec Louise Farenc. Et au départ, je pensais que cette idée était ridicule de jouer avec des compositrices parce que je ne connaissais aucune et toute cette musique m'était étrangère. Et une fois que je me suis vraiment plongée dans ces partitions, j'ai découvert que cette musique, elle est de grande qualité. Et donc, notamment cette pièce de Charlotte Soy, c'était un thème varié pour violon et orchestre. Et le petit-fils de Charlotte Soy était dans la salle. Donc là, il m'a dit que si j'aime lire la musique de sa grand-mère, il pourra m'envoyer plein. Et petit à petit, comme ça, depuis 2013, je reçois des partitions. Et un jour, cette symphonie est arrivée. Donc, je la parcours et je me suis dit, mais c'est énorme, c'est une magnifique symphonie. Comment je la connais pas, tant que musicienne de très haut niveau qui sort d'une institution européenne? Et il m'a dit, vous savez, en fait, elle a jamais été jouée. Donc, ça veut dire que Charlotte Soy a écrit la symphonie en 1917, à la Grande Guerre. Et elle n'a jamais vu, elle n'a jamais entendu. Donc, on s'est mis avec les petits-fils à faire des travaux d'édition avec toutes les parties d'orchestre, avec les grands conducteurs. Et après, à la chasse au trésor, c'est-à-dire qui pourrait programmer une pièce qui est vraiment inconnue. Donc, j'ai frappé à toutes les portes jusqu'à qu'une s'est ouverte à Besançon en juin 2019. Et là, nous avons fait la création mondiale. Donc, ça veut dire 102 ans après l'écriture. C'est quand même incroyable dans l'histoire de la musique. Et encore plus incroyable, c'est que les musiciens, dès la première répétition, ils m'ont dit, mais quelle magnifique musique que vous nous faites découvrir, merci. Les critiques, ils ont adoré. Et là, nous avons un grand projet donc avec l'Orchestre National de France en juillet prochain, le 1er juillet 2021, où nous allons faire donc la première création parisienne
et il y a un disque à la clé aussi. Extraordinaire. Alors, est-ce que vous allez être, voilà, vu tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous allez être chef d'orchestre invité, pourquoi pas, au Philharmonique de Tel Aviv ? Est-ce que c'est en projet ? Est-ce que vous aimeriez jouer à domicile ? Absolument. Je rêve de revenir en Israël tant que chef d'orchestre. C'est pas encore arrivé. Vous savez, dans les milieux, c'est beaucoup des connexions, des réseaux. Et mon agent n'a pas encore les bons réseaux pour aller en Israël, mais on y travaille. Vous y travaillez, ça vous ferait chaud au cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer, par exemple, si vous étiez invité à venir vous produire au Philharmonique de Tel Aviv ? Les rêves absolus, c'est du Mahler. Vraiment, je pense qu'avec les musiciens israéliens, ça peut marcher encore mieux qu'à d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent avoir comme cette fibre juive, non, de la musique juive qui se transperce à travers les symphonies des Mahler. C'est des choses que je trouve nous devons avoir un peu plus que les autres, parce que peut-être des fois on a été bercé par ces musiques. En tout cas, Déborah Waldman, on vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle fonction. Voilà, bravo, bravo. On est vraiment ravis pour vous. Je rappelle que vous dirigez dorénavant l'Orchestre Régional Avignon-Provence, première femme à accéder à un tel poste en France. Bravo de tout cœur. Et j'espère que vous allez être invitée pour jouer en Israël, voilà, prochainement. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous.